Ah mais je ne peux pas monter les escaliers. Voilà. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Heresis qui ne s'affiche pas, c'est embêtant. Magnifique. On est bon, on a le jeu, on est sur Heresis, on est avec plein de monde ce soir, on est avec Damned, Akatsuki et Raidish. Salut tout le monde. Bisoir. Pouet. Et donc, Heresis, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qu'on nous a proposé de tester, enfin, que Damned suivait parce qu'il est assez fan de Lovecraft, on peut voir à l'écran. Et du coup, on a demandé des clés et ils nous ont filé plein de clés, donc merci beaucoup à eux. Le jeu est sorti en Early Access cette semaine. Il se fait un petit peu démonter sur Steam, on en parlait. Il est très jeune, hein. Il est franchement très très jeune. Oui, c'est clair. Il y a beaucoup de choses possibles dedans, hein. Là on est dans la zone de départ, il y a une zone de départ, on peut faire des missions et tout un peu à la Vermintide. Mais il y a plein de choses à débloquer, vous voyez on a déjà quelques trucs avec plein de petits textes, des petits artworks, etc. à lire sur l'univers de Lovecraft. Mais le gameplay est encore très jeune, on va voir ça, je pense qu'on va pas y jouer 3 heures quoi. Il faut quand même préciser qu'il est en 0.55. Oui, tout à fait. On est en 0.55 Early Access Release. Ça fait 3 jours qu'il est sorti, ils ont déjà fait quelques patchs. C'est ça. Mais et donc, ouais, ouais, c'est... Ben, je vais aller chose voir importante, mes il est prévu en français. Oui, il y a pas mal de langues de prévu, dont le français. Alors là, on a Damned. Magnifique. Coucou, et Ibo. Ça, c'est Raidish, hein, avec son masque. Et Akatsuki avec son masque aussi. Je me cache. Le concept du jeu, qu'est-ce que c'est? On va être en groupe de 4, enfin pas forcément, on peut jouer à moins, mais au maximum à 4. Et on joue un ensemble de cultistes qui, dans la map qu'on a en Early Access, Sentinel Island, on est balancé sur une île et on doit essayer de trouver les pages de notre livre sacré, je pense qu'on peut dire ça. Pour pouvoir lancer un rituel et nettoyer l'île, parce que malheureusement certains cultistes ont un peu fait de la merde et invoqué des horreurs sur l'île qui ont un peu tué tout le monde et qui foutent un peu à la grouille. Donc ça c'est le speech de base. En vrai, enfin moi j'ai joué, j'ai pas vu beaucoup de créatures, donc on va se lancer. Non, on va voir, ouais. J'ai une question, c'est en quelle année qu'on est censé être? Parce bonne que t'as tout, t'as tout l'ouest des États-Unis qui n'est pas mappé sur la carte. En vrai, si c'est plus ou moins à l'époque de Lovecraft, dans les années 20-30, ça correspondrait aux équipements qu'on a. Ça doit être ça, mais c'est bizarre, ouais, ce que tu dis. Ouais, parce que au sol, t'as une carte des États-Unis et t'as tout l'ouest qui n'est pas mappé. Ok, j'ai pas fait gaffe. On verra éventuellement. Oh, mais vous êtes beau. Bonjour. Voilà, nos gens arrivent. Et donc du coup, dans le jeu, le concept, c'est qu'on a justement zéro arme. Hein. On va avoir une lanterne. Et on doit se démerder avec notre lanterne. Et s'il n'y a plus d'huile dans notre lanterne, et ben, on est dans l'os. J'ai un œil aussi en bas. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est ça. C'est ta discrétion. Ouais, c'est ta discrétion, en gros. Enfin, ouais. Si tu cours, tu vois, ça s'agrandit. Il devient de plus en plus rouge, s'il y a des trucs pour te voir. Si tu sprintes ou tu utilises la lanterne, en fait, ça augmente l'œil. Ouais, c'est ça. Et à savoir qu'il y a un chat vocal dans le jeu, in-game. Ça. Alors, ouais. J'ai pris un des tubes. Du coup, Ulcine, je te laisse prendre le bouquin. Hein, je vais prendre le bouquin. Donc, il en faut qu'il y ait... Vous me protégerez avec les lanternes. Je vais prendre l'autre tube. Je vais essayer d'en cumuler 3, comme ça on pourra faire les offrandes. Comment on fait pour éteindre la lanterne? Il faut la déséquiper avec 1. Ouais. Après, je crois pas qu'elle consomme de l'huile comme ça. Elle consomme de l'huile quand tu l'utilises en laissant appuyer ton clic pour concentrer ta puissance. Quand tu fais un petit rayon de lumière là. Ouais, c'est là mais que après, consomme de il faut savoir qu'il reste une huile ici. Et c'est bon. Quand tu allumes ta lanterne, ça va. Certaines créatures vont être attirées par la lumière et d'autres vont avoir peur de la lumière. Donc du coup. D'accord. Du coup, on a qu'un seul mémoire pour 4. Et on a un seul livre, ouais. On a un seul livre par contre. Le livre, normalement, te permet de savoir si une page est proche en scintillant. C'est ça, c'est pour ça que je l'ai pris du coup, comme ça les gens pourront voir. Mais effectivement, le principe, ça va être de trouver les pages. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais pas ce départ là, moi, quand j'ai commencé. Donc ils ont dû patcher un peu les maps. Ah, moi j'avais exactement ce départ. Moi j'avais pas du tout ce départ là. La zone de départ était pas du tout pareille. Est-ce qu'il y aurait une petite rejouabilité? Je pense surtout que c'est une histoire de patch. Enfin, à terme, oui, il y aura certainement plusieurs maps, etc. Mais
Je vous sur-recommande d'éviter les montagnes en bord de mer. Je me suis fait bloquer dans une texture. Ah oui, si tu tombes ou tu glisses sur un peu une, trop... Bah, sur une texture, genre un peu, voilà, ce genre de texture là. Là, comme ça. Ah, le cerf. Ah oui, il y a quelque chose qui crie. Ouais, c'est le cerf qui se désarticule et qui crie. Et qui c'est le cerf exorciste. Bah, cela ouais, dit, le cerf exorciste. Il a, ça fait un vrai brame de cerf. Hein, mais... ces textures-là sont à éviter. Sur une, d'accord. Je me suis envolé en l'air. C'est pas très méchant. Sur une autre, regardez en face, là-bas, il y a un truc qui bouge. Là-bas. Regardez où je regarde, là-bas, entre les arbres. En face. Oh, oui. Un copain. Bonjour. Ah, ouais. Coucou. Bah, il est loin. Hein. C'est des tentacules ? Oui. Vous savez que les tentacules, moi, j'aime bien. Oui, bah oui. Et bon. Bref, à éviter de marcher sur ça. Voilà, sur celle-là encore envolée en l'air, c'est pas grave. Mais alors s'enfoncer dans les textures sous le sol du jeu et être bloqué définitivement, bah c'est chiant. Après c'est tu dis dommage, texture, ouais. Elle était un peu dégueulasse cette texture. Oui voilà. Alors on rappelle hein, que le jeu est très jeune encore. Bon, c'est pas. Zéro. J'avoue que je suis quasiment en 4K en résolution, c'est correct. Mais bon, c'est pas ouf non plus. Ah, mais disons qu'après avoir joué à Dead Island 2 tout le week-end, bon, c'est sûr que ça change quoi. C'est quoi ce machin à droite ? On dirait une plante. Deux ? À côté d'une maison. Une maison. Il faut trouver des maisons. Une maison. Moi je ne vois pas, mais. Là-bas. Il y a une maison cassée, il y a une sorte de plante, champignon. Ok, on y va. C'est un totem, non ? J'ai un mot qui me vient en tête, mais... Tu l'as fini, Reddish, ta partie que t'as testée, toi ? Non, du tout, je suis mort. Ah, ok. Parce que, en fait, il y a plusieurs trucs à te faire. Non seulement il faut trouver 30 pages, il faut trouver du sang infecté. Il faut trouver du sang infecté également, pour créer des boules d'énergie pour apaiser les dieux, enfin, le dieu, en l'occurrence Cthulhu, et à la fin, il faut corrompre toutes les boules pour le faire apparaître. Et ça, voilà, il y a plusieurs trucs à faire hein, quand même. Hein. Donc, si on arrive à tenir. Alors là, vous voyez par exemple, dans cette créature, si vous ne l'avez jamais vue, cette statue, moi j'ai des fioles vides. Elle a une bouche, je vous attends hein, pour vous montrer quand même, parce que comme j'ai fait. Voilà, il y a une bouche là-dedans, et en fait, je peux utiliser le sang pour remplir mes petites fioles. Hop, voilà, j'ai rempli les deux fioles. On peut en remplir trois. Et avec ces trois-là, quand on trouvera un hôtel, mais j'en ai vu un petit peu plus loin, ça permettra d'invoquer un premier sang. Une boule de sang. Alors ça, si vous les trouvez, voilà, les petites plaques, ça débloque juste des trucs, voilà, les reliques. Bon, ça bloque pour tout le monde. Ça brillait comme quoi il y avait une page pas loin. J'en ai ramassé une sur le lit. Mais ouais, c'est toujours à zéro, c'est bizarre. Il y avait un papier, je l'ai ramassé. Parce que ça s'est arrêté de briller d'un coup, donc ça se trouve. Quand on est à plusieurs, je crois qu'il faut les donner les pages à la personne. Il y a un délire comme ça. Comment que ça marche? Alors je sais pas. Si tu fais deux peut-être, fais deux, deux c'est le livre normalement. Ah oui voilà. Voilà, bah, t'as une page que tu peux lui donner. Give page, voilà j'ai give la page. Ah c'est bon. Oui, j'ai une page sur 30. Et ça rebrille. Bientôt fini. Il y en a une autre pas loin. Ah. Ouais, j'étais venu ici en plus et je les avais trouvés mais je ne sais plus. Là il y a un truc marqué as safe it may be. Ok. Voilà, et là ce que vous voyez derrière vous là, le truc qui est l'espèce de monument, c'est là où on peut invoquer les fameuses boules de sang. Le seul problème, c'est que je n'ai que deux fioles sur trois. Mais ce que je vais pouvoir faire, parce que les fioles, on les garde, on les conserve, ben voilà l'autre page au passage, c'est que, en fait, je peux les vider dedans et on les garde, les fioles vides. Et comme il restait de la bouche, je reviens, attendez-moi, je vais aller re-remplir le sang et ça va pouvoir faire un hôtel. Il y en a quatre à faire comme ça, en et plus je des pages. Je confirme que j'avais pas du tout cette map quand moi j'ai fait mon test juste à la sortie. Donc à mon avis, ils ont patché juste à la sortie. Ah, j'avais exactement la même map avec les mêmes trucs au même endroit. Mais tu vois, c'est très logique d'avoir... Au début, t'as ton corps qui était tout proche. Moi, le corps, avec Chobiti, on s'est baladé 10 minutes entre le totem et le premier corps où on a trouvé du bol, du sang par coup de chance, quoi. Hop là. Et ça fait quoi? Alors, je sais pas exactement ce que ça fait, juste que le grand ancien, il entend l'appel. Pour le moment, il y en a 4 à mettre, et après il va falloir... Alors, on peut les corrompre avant, je sais pas, hein, parce que je suis pas allé jusqu'au bout d'une partie. J'allais y aller, mais vu que je me suis planté dans un décor, bah j'ai dû arrêter. Je sais qu'à tout moment, les boules, on peut les corrompre. Et à partir du moment... Oh, derrière vous, attention, ouais, il y a un truc qui nous a repéré. C'est quoi ça? C'est pas très jojo. Oh putain. Oui. Faut éteindre votre lumière, peut-être, hein. Non. Si, peut-être qu'il faut peut-être l'éteindre, ouais, je sais pas. Après, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la torche permet aussi de les attaquer ou de les éloigner pour certains. Oui, bah, c'est ça dépend lesquels, ouais, mais vu que celui-là il a la lumière. Oh, il a repéré! Ouais, il a run, hein!
Ouais, on se casse. Salut. Il y a un super totem, j'ai MKF en dessous. Bon, allez, en vrai, il est sur vous, pas sur moi, donc je m'en fous, mais... Moi, je m'en fous, je suis crouch et me voit. J'ai l'impression qu'il me suit. Ouais, il en a après quelqu'un, en tout cas. J'ai mon écran qui est sous sombre, je vois pas ce qui se passe. Ah oui, non, mais moi, c'était pareil. C'est bon, ouais. Il a lâché. Il vous a lâché. Ouais, j'ai mon œil qui est vraiment tout rouge. Je crois qu'il est sur moi. Qui se balade avec une lampe? C'est bon, il court plus après personne, là. Ok, on va essayer de se retrouver maintenant, ça c'est pas le plus simple. Attends, celui... Et du coup, il fait... Tu vois une lampe à la main? Il fait vraiment quelque chose? Ouais, éteins ta lampe, je pense. Là, voilà. Je le vois avec un cerf. Direct, mon œil, il s'est fermé quand t'as éteint ta lampe, quoi. Ah oui, non, mais quand tu te mets crouch et que t'éteins la lampe... Ah oui, ouais, c'est le meilleur truc, ouais. Bon, il revient par contre, hein. Il revient, attention, on voit son projo à travers le mur, l'arbre, il arrive, hein. Faut se barrer, hein. Ouais, son projo, ouais. Mais et en vrai... Smourou, en fait. Je retourne vers la maison, moi, à gauche, là-bas. Ouais, on essaie de se retrouver à la maison. Parce qu'il fait quelque chose, ce truc, parce que moi, justement, c'est la créature que j'avais trouvée dans mon premier test, et je l'avais laissé me rattraper pour voir, et en fait, elle faisait rien. Ah bon? Elle se collait à moi, elle faisait rien. Ah d'accord, bah je sais pas. Est-ce qu'elle est là juste pour attirer les autres FS, son espèce de truc, de rayon, où tu vois tout sombre et tout, quoi, mais... Okay. Par contre, vraie question, est-ce que si un de nous meurt, la partie est finie? Je crois pas. Ça, je pense pas. Je crois que moi j'ai trouvé une statue comme celle qui est à l'intérieur, qui est sans tête, et je crois qu'en fait si tu prends la tête du joueur mort, tu peux le réanimer avec ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Si tu prends la tête du joueur mort et que tu mets sur une statue de cire, tu le ressuscites, effectivement. Et ben on va continuer. Tu prends la tête du joueur mort, ça donne tellement Ouais, c'est lui. Ça. comme vous voulez. Mais jusque là, on va vers lui, hein. Directement en tout cas. J'essaye de tourner un peu en rond pour chercher des pages, mais... On va aller par là. Souvent, les pages sont liées à un bâtiment ou quelque chose. J'en ai trouvé aucune, j'en étais à 28, j'en ai trouvé aucune en pleine forêt, perdue nulle part. Il y avait soit un monument, soit trouvé une sur l'espèce de gros totem qu'il y avait pas très loin du monstre. Vous aussi, vous avez l'œil tout rouge en bas? Si tu cours avec ta lampe, oui, ça me surprend pas, ouais. Alors, question. Par contre, est-ce qu'on a une barre de stamina? J'ai pas l'impression, non, tu peux courir. Ouais, oui et non. Non, si tu cours au bout d'un moment, t'as pas de barre de stamina, mais par contre, ton personnage, moi, il me l'a fait tout à l'heure, il commence à. Et là, il ralentit d'un coup, quoi. Ça brille. Donc, il y en a une, mais. Ça brille par ici. Il y a une maison à droite, Damned, derrière toi. Ok, on va faire on ça. On revient en arrière. Ouais, allez, on y va. Moi, je suis la page. Faites ce que vous voulez. À quoi ça me fait penser comme jeu? Elle est là, là je l'ai la page, elle est là. Là. Donc j'ai rien dit, elle peut être en pleine forêt. Je n'ai rien dit, c'est la première que je vois. Oh, elle est très jolie. C'était peut-être celle qui te manquait. Ouais, c'est des artworks au passage. Tiens, le signe, est-ce que tu pourrais me donner le livre? Oh bah regardez là, ah non, il y avait un truc quand même pas loin, regardez, il y a plein de... On en prendra chacun. Un des sites remarquables. Hein, t'as dit quoi? Est-ce que je peux te donner le livre? Je crois pas, hein. Je crois qu'une fois qu'on le prend, je peux le ranger. Non, c'est... Non. Non, c'est ta propriété. Je peux le fermer pour voir le nombre de pages qu'on a, à savoir 4 sur 30. Mais Il est juste derrière, le truc, il arrive. Hein. Ouais, faut qu'on progresse. Il arrive. Il est un peu con quand même, mais il arrive. Il fait sa vie, quoi. Ah, il est encore là, lui? Ah oui. Lâche-nous. En même temps, je pense que tant qu'on court et qu'on fait de la lumière, il doit avoir tendance à venir vers nous. Celui-là, c'est clairement un qui aime là, la lumière, quoi. Il y a des trucs là. Il y a un bâtiment ou des armes un peu bizarres? Bah, il y a quelque chose, ouais. Bah, alors, tiens, la fameuse statue pour ressusciter quelqu'un avec sa tête. Le livre. Moi, je l'avais pas trouvé ici, ouais, justement, celle-là. Alors, on est dans un endroit maudit, donc on peut quand même profiter du lieu si on trouve des. Par exemple, voilà. Là, je pourrais remplir mes fioles là-dedans. C'est pas impossible que ça fasse apparaître une créature quand je le fais. Donc, Attends, parce qu'a priori, il y a une page dans le coin. Là, elle est là. Oui, je la vois. Mais c'est la même. Sinon, ça risque, ça va me maudire. Et si ça me maudit, je crois qu'avec votre lampe, vous pouvez me démaudire en me faisant le faisceau sur la gueule. Bah écoute, si tu veux essayer, hein. Ouais, c'est bon. Ça m'a rien fait de plus pour le moment. Il y a des endroits, ça fait carrément apparaître une créature. Hein, je préfère vous le dire. D'accord. De toute façon, c'est ton troisième œil qui joue. C'est ça. Donc j'ai deux fioles remplies, mais on en trouvera d'autres, hein, des fioles vides. Par contre, j'avoue que l'ambiance est quand même sympathiquement creepy. Hein. Oui, elle est sympa, ouais. Ouais, le ressenti, il est plutôt cool quand même. C'est vrai que la grande forêt... Il y a une statue, là.
Ouais, là-bas, il y a un autre hôtel que je peux remplir, effectivement. Ça ferait une deuxième boule. Puisque je peux retourner en arrière pour aller remplir les fioles. Est-ce que quelqu'un à tout hasard est sur le live et sait s'il fonctionne bien, s'il y a un retour, etc. J'ai pas mis le son, mais moi, en tout cas, l'image, j'ai un retour. Ok, parfait. Je reviens, je vais. On est fugitivement passé à 6 spectateurs et on est redescendu à 2, donc je me demandais si je voyais pas le chat ou il y avait un truc qui pétait de mon côté, mais non. Ah putain, par contre. Oh, il arrive l'autre, merde. Et je, fais, vu. Je fais le grand tour. Il t'a vu, il te court après. Ah oui. Rip. Bon bah. C'est ça. Ah, quand bah, sauf qu'apparemment il fait rien, mais bon. Bah après, je sais pas, hein. Moi je te dis, quand j'ai fait le truc, visiblement j'ai une map complètement différente, etc. Donc. Il marche un peu comme une poule. Ouais, il est tellement creepy le machin. C'est bon, il t'a perdu visiblement. Ouais, je fais le grand tour. Bonjour. Ah oui. Non, il marche voilà. Ah bah oui, il regardait vers toi et on t'a vu passer au loin. C'est ça. Alors, le signe, si je peux te donner un petit conseil, quand on lit un livre, de temps en temps, il faudrait tourner les pages. Non, mais je peux pas. Ça fait semblant. Il y a pas de page dans mon livre, je peux pas le lire. Ah, c'est dommage. Comment on les cherche? Comme là, quoi tu fais semblant en fait. Il y a encore un espèce de grand pantin sur un suspendu là. Et salut Kazar Zero, le stream est nickel, bah merci beaucoup, bienvenue. Et bonjour, ouais, bienvenue. J'espère que ça va bien, ça brille effectivement quand on va par là, donc il y a moyen qu'il y ait une page encore dans le coin. Au secours. Occupe-le Damned, on cherche les pages, merde ça brille plus, on s'est trop éloigné, c'était pas le bon chemin. On récupère ta tête au pire. On a une statue de cire tout prête pour toi. Bon, je me suis planqué, normalement, il me voit plus. Zut, alors du coup ça brillait, mais ça brille plus. Je vais retourner en arrière. Ah, lorsque... non, mais ce qui pourrait être pas mal, c'est... On part à 4 chacun de notre côté, on va chercher les pages, et on revient tous au bateau du début. Avec un seul grimoire, c'est compliqué. Ouais, le problème, c'est que trouver les pages sans le grimoire... Déjà, avec le grimoire, c'est chaud. A priori, elle serait par là. Est-ce que ce serait pas dans cette maison en ruine? Ce serait par ici, maintenant. Je sais pas où ils sont. Parce que. Zut, c'est ouf. Normalement, il vient pas par là. Hein. Alors attends, elle doit être par ici parce que. Elle me fait faire de... Ça me fait faire des allers-retours là. Ça brille. Bon, tant qu'on y est. Alors, là. Hop. Et. Et The ouais, Cursed ça... Blood. Ça me dit par là. C'est quoi ce machin? La même chose? Non. Hein? Ah, mais c'est quelqu'un avec une torche. Je croyais que c'était un monstre. Ça y est, ça commence. Il devient parano. Bon, elle doit être quelque part dans le coin, la page, mais je la trouve pas. Parce que le livre, il brille. Il brille de mille feux? Ouais, mais il brille, mais je fais 2 mètres en avant, je me retourne, il dit que c'est derrière. Enfin, c'est bizarre. Ah, il y aurait bien une grotte en dessous, ça c'est possible, il y a des grottes. Ah oui, c'est des grottes. T'as raison. Il y a des grottes, il y a plein de grottes. Il doit y avoir une grotte ou un truc du style. Excusez-moi, je m'emballe peut-être avec plein. C'est sûr qu'il y en a une par là, je l'avais trouvé. Effectivement, là il y a l'air d'avoir un gros truc. Alors j'ai une torche moi aussi normalement. Ah non, c'est un mur. C'est pas très loin. Je crois que c'est là-haut. Quelle est la grotte? Parce que j'y suis allé ici aussi. Elle est là. Ouais. Quelque chose qui crie là. Là c'est là. Hein. qui se demande. C'est où là? Ok, donc là on a le signe qui est là. Oh putain, le signe! Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Putain! Ah c'est quoi cette saloperie? Et il court vite hein. Oh! Tout seul. Allez, tout seul. Tu l'as fait fuir? Ouais, visiblement il aime pas la lumière lui. Non. Je l'ai entendu courir, je me suis dit, oui, derrière toi, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, mais il courait très très vite, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une espèce d'humain avec une cape dégueulasse. Ouais, un truc un peu bipède. Y'a des jungles de la lumière, qui est toi? Là. Attention, regarde. Il revient. Il revient derrière toi. Éclairez-le, hein. Ah, il a disparu, on l'a cramé. C'était quoi ça? On l'a cramé. Putain, il s'est téléporté derrière moi. Oh putain, il est là. Non? Allez, on le crame. Oui. Meurs! Il est hyper solide, la saloperie! Ah bon, on peut pas le tuer, on peut juste le repousser, hein! Bon, ok, venez vite, retournez! Ah, on descend là tout droit! Hop, par là-bas! Non, en fait, il est allé là-bas! Je sais plus, c'est là! On le poursuit, on descend, et il y a une grotte! Là, juste derrière ces gros rochers, il y a une grotte!
Oui, c'est bon, on est dans la grotte. Zéro pression. C'est bon. On a perdu quelqu'un, non? Sans, c'est bon. Non, c'est bon, tout le monde est là. Bon, derrière. Bon, je vous laisse les torches, je reprends le... J'entends un truc. Ah. Allez-y. On attend. Il était au-dessus, je pense qu'il est au-dessus. Hein. Ouais, je pense qu'il est au-dessus. Ami, prends cette page. Prenez la Porsche, voilà, la page. Il voulait pas la prendre. Y'a quelque chose après la page ou... On progresse dans la grotte, hein, de toute façon on verra. Ouais, la grotte, vous allez voir, elle nous fait... on ressort à un autre endroit au pire, donc c'est bien, on devrait pouvoir peut-être s'en débarrasser. On voit rien. Je cours pas trop parce que quand je cours, il ferme le livre, donc du coup je peux pas voir s'il y a d'autres pages éventuellement. C'est vrai. Mais bon, en général on les voit, hein, t'inquiète. Je pense qu'il nous poursuit par au-dessus. Il nous voit à travers les textures. Il y a une sortie en droite là. Merde, je me suis... C'est par où? Ah, le petit cri là, il est délicieusement flippant. Ouais, c'est ça. Alors, je sais plus s'il y a des pages hein, ici. Il y a ça qui clignote, ça s'allume en tout cas. Il y a une page ça, là. On peut le faire maintenant ou plus tard, je sais pas ce que ça change, ça permet de voler le sang corrompu qu'on j'ai a fait apparaître. Wisdom. Et le premier truc était noté Wisdom dessus. Ah okay. Oui, ça devait être un parchemin, ça renvoie dans le temple. C'était une cierre au cas où. C'est ça, là il y a de quoi remplir des fioles de sang encore, mais il nous manque des fioles vides. Il nous en manque au moins une pour en avoir toujours trois quoi. J'en ai une. Vide ? Ah bah là, tu remplis dans la bouche du monsieur. Et c'est marrant parce que c'est pareil, moi quand j'ai fait mon test, je remplissais ça dans... Ah, on a volé le sang. Ah, vous l'avez... Quelqu'un a fait ça. Ok. Ah, c'est moi. C'était pas là qu'il fallait appuyer, c'était là. Ah, je sais pas. Là, c'était là la bouche qu'il fallait remplir. Je sais pas ce que ça fait, hein. Evil Idole... Beast created for the summoning. Oh, ok. Ouais, je ne sais pas ce que ça fait par contre, mais On a summoned quelque chose. J'ai fait de la merde. Ça a rempli ta fiole ou pas? Mais je peux pas remplir la fiole. Bah, c'est que tu l'as peut-être rempli en volant le sang du coup. Bah non, elle est vide. Ah, et tu peux pas la remplir à la bouche là? Non. Y'en a plus du coup? Non, y'en a plus, ça y est, elle est vide. Ah oui, ouais. On voit qu'il y a plus de sang dans la bouche. Bon bah alors, peut-être que j'ai pris les deux dernières. Donc là, on va pouvoir ressortir, mais il y avait un autre passage normalement pour ressortir. Ouais, tout à l'heure on est passé à côté, c'est à gauche. J'ai créé un truc de summoning alors. Ouais, alors après, je sais pas trop comment ça marche, j'ai pas eu l'occasion de. Un nouveau monstre? Ouais, ça aurait été drôle. T'as invoqué un truc encore pire. Ah, très bien. Et donc c'est en face pour sortir, oui, c'est ça. Et une page au passage là. Tiens, parfait. Voilà. C'est cadeau. On est à 8 pages sur 30. Une statue de cire. Ok. Bon. Le tête requise, il est quand même super sympa. Ah oui, il y a une pyramide là-bas. Il faut qu'on y aille, il y a une page normalement là-bas aussi. Ah oui, c'est pas illogique. T'as fait tout le jeu déjà? Non, bah j'ai à peu près fait cette zone si en fait. T'as fait 28 pages, ouais, je pense que t'as pas mal couvert. Ouais. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une RNG sur le placement des pages. Bah, oui, c'est vrai, pour moi il y en a. Qu'il y en a une, hein, parce que tu vois là tout à l'heure ça brillait quand on est sorti du. Mon livre il brillait quand on est sorti de la grotte, mais là il s'allume plus donc. Ah, on m'a dit que c'était cursed et qu'il fallait que je fasse attention. Ouais, bah il y a une page. Ici, ouais. Oh là, j'ai un choix entre deux pages ici. Bah. Ouais. Celle-là. Tu me la donnes? Il y a plein de pages, il y a un peu trop de pages, je trouve même. Tu les as tous pris à notre place par contre. Alors ouais, attends, ça va. C'est comme. Alors attends. Deux. Give page. Fantastique. Voilà. Et il y a un hôtel là-bas si tu veux mettre ton sang peut-être, Damned. Je sais pas si c'est un hôtel encore ça. L'hôtel, il faut vraiment qu'il y ait la statue relevée à moitié, enfin l'espèce de. Pas statue, mais je sais pas comment ouais, dire. De... Le totem, ouais. Ouais, totem, c'est un bon mot. Mais bon, allons voir, il y a de la lumière. Ah non, c'est peut-être le truc maudit de tout à l'heure là. C'est forcément bien. C'est peut-être le truc maudit de tout à l'heure, ouais. Cela dit, c'est ça. Ça manque d'une map tout de même. Ça s'allume par ici, si vous voulez. Ah, derrière nous. Non. Ça. Alors ça manque d'une map, oui. Mais dans un sens, ça fait aussi le sel du jeu. Ouais, c'est clair. De se repérer. Alors, il y a une page là. J'ai.
Ok, ça va. Bah, on se barre en arrière, hein, du coup. Attention, il est reparti dans la forêt. Après, là-bas, il y a l'air d'avoir des structures. Je sais pas si on y est passé devant, ça, là, en face de moi. Pas sûr, non. Vous voulez qu'on aille voir, au cas où? Pour l'instant, le livre brille pas, mais on peut aller jeter un œil, ouais. Bon, il y a l'autre avec son projecteur sur le côté gauche, mais bon... Moi, celui qui me fait peur, c'est l'assassin, là. Ouais. Oui, il met des coups de pression, lui. C'est vrai qu'il fait très... Ah, si, ça brille, ça. Il fait très Skaven, coureur des goûts, là. C'est vrai. Gaelden, sors de ce corps. Ah, il y a une torche à l'intérieur. C'est moi ou il y a des espèces de tentacules, par contre, qui essayent de descendre dans, dans la maison, là? Ah bon? Ah là, ouais, moi, je vois sur la droite de la maison, là, il y a des trucs qui bougent. Ah oui. Même pas la maison. Oh, putain, l'autre, il nous a vu. Éteignez vos lampes. Ah oui, effectivement, il y a des tentacules, on va aller voir ça. Éteignez vos lampes. On va tous crever. Bah lui, en fait, je pense qu'il a, il attire les autres, en fait. Hein. C'est vraiment la tourelle de détection. Hein. Bon, on va aller voir la... Alors là, j'ai dû pas rentrer dans ce... Oh merde. Baisse. Il y a l'assassin qui est pas loin de moi, là. Venez, moi, je suis rentré dans la maison. Ah, casse-toi! Dans la maison aussi. Non, non, faut rentrer, madame Ned. Il y a deux assassins. Ouais, je sors. Aïe, ah, putain, ils sont sur moi! C'est plus deal. Oh merde. Oh merde. Où est tout? Dans la maison. On est rentré dans la maison, nous. Oh, pas la maison! Oh putain. Bon, ils vont me tuer. Au secours, je suis coincé! Au secours! Ah, ça y est, je suis mort. Ah, on peut pas descendre dans la maison. On peut donc mourir. C'est cool. Merci de nous l'avoir confirmé. Ah bah c'est ceux qui te chargent là, oui, ma... Ok, c'est bon, ils arrivent. J'ai pas d'huile, au secours. J'ai pas d'huile non plus, j'ai plus d'huile, bordel. C'est con, y'en avait dans la maison. Là, y'en a dans la maison, là, de l'huile. Ah oui, j'en ai plus non plus. On te sauvera, Rudy, hein, un jour. Elle nous a reconnus, promis. J'ai plus de lampe. Bon, je crois que le son a saturé un peu avec les hurlements, je suis désolé. Ouais, c'est possible. J'ai plus de lampe. T'as plus de lampe, comment ça? T'as acheté ta lampe? Huile. Je savais pas que t'étais comme ça, Reddy, t'étais comme les Blacks, t'étais le premier à crever à chaque fois dans les films. Au secours! Non mais j'ai pas de lampe, ouais. Au secours! T'as perdu ta lampe. Genre tu fais 1, t'as pas de lampe. Non, j'ai plus de lampe. Ah, tu l'as tellement cramé que elle s'est éteinte. Bah écoute, il y en avait tout à l'heure qui traînaient des lanternes, faut en trouver une autre. Est-ce qu'on peut m'éclairer? On peut descendre en dessous. Mais Damned, en vrai, franchement, à chaque fois que je fais un truc d'horreur, je suis toujours le premier à mourir quand on est en groupe. Hein. C'est long. Alors faut pas descendre à l'étage du dessous parce que c'est la merde. Il y a des tentacules à la sortie qui foutent la vue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir m'éclairer? Bah si tu dis où tu es, ouais. Dans la maison. Agite les bras. Est-ce que t'as pris l'escalier? T'es là. Ah. Bah on va monter dessus. J'étais à côté de l'escalier. Il y a une page normalement que j'arrive pas à retrouver, donc c'est qu'elle doit être à un autre étage. Et puis ça mettait juste un petit message, présence trop puissante, vous devez l'éviter. Très bien. Je peux pas choper cette lampe. Non. Là, il y a une lanterne, là, ici. Où ça? Là. Et en bas à gauche, t'as plus l'icône de la lanterne? Non. Non, mais je pense que si tu la crames trop, elle est cramée. Hein. Ou alors, il s'est pris une gifle et ils lui ont... Comment on va faire pour sauver Rediff si les autres ils nous surveillent? Ah ouais, ils sont en haut, ils attendent. Bah attends, déjà il y a une page ici que j'arrive pas à trouver, donc Il y a une sorte d'améthyste là que je peux pas prendre. Ah oui, tiens. Mais je vois pas... Vous êtes encore dans la maison? L'améthyste, ouais, m'a maudit hier, enfin l'autre jour quand je l'ai pris. On est monté à l'étage, Damned, on est là. Ok. Mais moi je ne peux pas la prendre, c'est très bizarre. Elle est où? Ah là? Sur le lit. Ouais, non, je peux pas la prendre non plus. Ouais, elle m'a maudit, l'améthyste, quand je l'ai pris dans la partie solo. Ah bah bien. Bah c'est peut-être juste pour les solos alors, je sais pas. Bon, le truc c'est qu'il faut ressortir et éclairer les autres pour les faire dégager, récupérer la tête de Reddish et l'amener sur une statue de cire. Bon, sympa la mission. Il y a un truc à prendre là, c'est quoi? Ok, ça me fait une petite cinématique, mon personnage est... Ok, il y avait une relique cachée là. Très bien. Ok, très bien. Mais c'est toujours pas la page par contre. Alors la page elle dit que ce serait... Et du coup tu vois quoi toi, Reddish, quand t'es mort? T'as une espèce de... L'endroit où je suis mort du point de vue de mon personnage en noir et blanc. J'ai baissé un petit peu. Ah d'accord, t'as pas de... On voit juste des arbres en noir et blanc. Et tu peux pas te déplacer? Ah non.
Ah oui, t'es mort. Quoi. Je suis sorti pour voir si j'arrive à retrouver Reddish du coup. Je peux quand même tourner un peu la caméra, enfin, mais c'est très très lent. Mais déjà, faut que je trouve ton corps, quoi, mec. C'est ça le problème. Alors, a priori, la page devrait être au-dessus. Je suis sorti, c'est très calme. Alors, attends. J'ai l'impression que non, c'est un arbre. J'essaie de voir un petit peu si je peux retrouver un élément de là où je suis. Parce que, alors, ok. Ouais, je vois un arbre. Ok, merci, ça a beaucoup aidé. Beaucoup d'arbres. mais franchement, mais cet arbre là, ah, là, celui qui a des branches, Damned, voyons. J'ai cru voir une lanterne. Oui, il y a quelqu'un qui. Tu t'éloignes par contre, je crois. Ok. Par là ? Va vers ta gauche, peut-être. Le signe ne me laisse pas tout seul. Je suis derrière toi. Va, tu peux vers ta droite. J'ai l'impression que la plage est dans le coin. Là. Tu te rapproches, tu chauffes. Un petit peu à ta gauche, un petit peu à gauche. Et au niveau des tentacules, cette foutue page. Un peu sur la droite maintenant. Ouais, c'est ça. Tu te rapproches. Mais sérieux ? Il est presque. Je te vois vraiment bien là. Ah putain, dégueulasse ! Ah dégueulasse, putain ! Ah, faut que vous veniez voir ça, c'est dégueulasse. Excuse-moi, mais tu es dégueulasse, mec. Oh, ça va, faut se calmer. Ah non, je te jure, je te fais un imprimé écran pour te le montrer tout à l'heure quand même, parce que... Ah putain, dégueulasse. C'est pas grave. Faut qu'on le retrouve, ouais. Je vais la prendre avec moi. Ah putain. Ah, c'est bien, je vois ton point de vue maintenant, enfin... Ah oui tête, ouais, bras, quoi. Excellent. Et je vois ta tête qui tourne selon ce que tu regardes. Du coup, pour moi, je vois juste là bouger. Regardez, j'ai retrouvé Reddish, il est là. Bonjour. Est-ce qu'on me voit bouger Ah oui. Ah oui, oui. C'est horrible. Là, je les moulinets. Ça va? Ça se passe bien? Non. Vas-y, retourne-toi si tu peux pour me regarder dans les yeux. Non, c'est très très long, hein, comme je te disais. Oh putain, c'est dégueulasse. C'est bon? Oh, t'es dégueu! Oh, non, mais regarde pas! Bon, avec ton œil, c'est pas terrible non plus. Dégueulasse. N'importe quoi. Meilleur jeu du monde. Bon, bah, du coup, on n'a pas trouvé cette foutue page avec tout ça. Hein. Alors, il est possible que la page elle était en dessous où il y avait la créature tentaculaire. Hein. Non, parce que justement, j'ai vérifié. C'est pour ça que je suis monté à l'étage du dessus et en fait, ça brille quand je pointe vers le haut, mais on dirait qu'elle est dans les combles. Mon point de vue est drôle. Ah ouais? Ah bah, j'imagine, ouais. Et j'ai pas trouvé comment faire pour grimper dans ces foutues combles. Alors, il y en a pas ici de statue de cire, mais je sais où il y en a une, du coup, où on était tout à l'heure. Vers les grottes, il y en avait une. Est-ce qu'on peut monter encore un peu plus? Vous me suivez hein, derrière, hein? Non? Pas trop? Non. Pas du tout, non, on cherche la page. Ah, donc. Ah mais d'accord, mais ok. On s'en fiche, des gens morts, hein. Ils sont morts. Merde, l'œil est rouge, il y a quelque chose qui nous a vu. En fait, ta tête flottait dans les airs, et en dessous, il y avait, tu sais, comme une espèce de membrane qui raccordait à ton cou, normalement, mais qui était en mode ver de terre, un peu, qui bougeait dans tous les sens, quoi. Ça, c'est dégueulasse. Miam miam. Arrête de me regarder. Bon, allez, justement. Tiens, redeviens humain. Oui. Ah, ça fait du bien, j'ai un corps. Voilà. Ah, la vache, c'est le beau. Même ou est-ce que j'ai changé de corps du coup? Non, t'es pareil, hein, je te rassure. C'est que je sois une statue de cire en fait. Ouais, non. Bah, au début, oui, tu t'es relevé, t'étais une statue de cire et puis après. J'ai plus de lanterne par contre. Ah, bah oui, oui, ça tu m'étonnes. Bah, tu vas rester à côté de moi jusqu'à ce qu'on en retrouve une. Bon, bah, cette page là, je sais pas si elle est buggée, mais je vois pas comment la voir. Bon, laisse tomber. Pour être à lanterne. De toute façon, il y en a plus, pour moi, il y en a plus de 30 hein, dans le jeu. Hein. Je pense qu'il y en a plus que. Alors du coup, par contre, pour qu'on se retrouve maintenant, Bah, on est à la maison. Là, on est à la maison. Ouais. Bon, on va y aller alors. Et j'ai trouvé une fiole vide au fait, hein, donc on a une fiole de plus. Ça y est, on a une petite troisième. Nickel. Ou une quatrième. Je crois que t'en avais une à 4 aussi. Oui. Ça, on avait tout fait. Voilà. Et la maison, elle était. Ah, je vous vois. À gauche. On est à gauche de là. Sur la montagne qui est à votre gauche. Ah oui, je crois que j'ai vu un truc brillé là-bas, ouais. Regardez là-haut. Ah oui. Ok, c'est bon, on vous voit. Je peux vous faire des appels SOS, mais je sais pas faire. On peut pas sauter. Il écrit les SOS, pardon. Ah si. Et voilà, regardez, Reddish a retrouvé un beau corps. Ouais. Nickel. Bon, on va aller voir par là, puisque du coup, hein, voilà. Alors tout à l'heure, il y avait une lanterne sur l'autel où on a fait la toute première boule de sang, mais c'est peut-être un peu loin. Ouais, mais
ça va être loin, mais de toute façon, on en retrouve. Il y en a pas plusieurs. On en a retrouvé une autre dans la maison pour Akkad. Il va falloir une lanterne et de l'huile au moins. C'est ça. Ce serait bien d'avoir les deux. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un compteur d'huile. Tu sais qu'on te dise pas combien. Alors en fait, t'es censé en avoir un, mais il est mal fait. Si tu fais clic droit, tu vas voir, t'as plein de petites boules qui sortent. Et c'est censé te représenter le remplissage de ton truc d'huile. Par contre, je trouve que c'est pas très pratique, clairement. Ouais, il faut connaître le jeu, quoi, pour savoir. Si t'as pas de petites boules vertes qui sortent, bah, ou très peu, ça veut dire que t'es quasiment vide, quoi. D'accord. Je pense que c'est le genre de truc qui vont très très rapidement se prendre en marque et qui va devenir une jauge. Ouais, genre une jauge en bas à gauche, là où il y a la lanterne, quoi. De toute façon, tous ces essais de jeu, en général, pour dire « Ouais, on veut changer un peu des codes et machin », en général, ça finit en truc classique, parce que si c'est comme ça depuis toujours, c'est juste parce que c'est très bien comme ça. Ça fonctionne, alors, Sauf si il révolutionne le truc. Voilà. Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à révolutionner ce genre de concept. On en revient souvent à des classiques, mais bon. Bon, ça s'allume toujours pas, hein, désolé. Je surveille régulièrement, mais... On a combien de pages ? Ah non, mais... Là, on a 12 pages. 12 pages. Pas mal. On est à plus d'un tiers de boules. En vrai, je vois le potentiel du jeu. Oui, c'est ça. C'est déjà... Effectivement, je pense qu'il a un potentiel. Je suis tout à fait d'accord. Alors, ce qui manque peut-être, c'est ça pourrait quand même être une arme haute que la lanterne. Mais tu sais que c'est ou la lanterne ou t'as une arme. Bah, même sans ça, je pense que le coup d'avoir juste la lanterne avec l'huile et tout, ça, c'est pas mal, ça rajoute de la pression, puis c'est assez... Attention, il y a l'assassin à droite. C'est assez fidèle à l'univers de Lovecraft, mais le problème, c'est que... J'ai pas. Globalement, c'est pas efficace, quoi. Enfin, tu vois, on peut juste le repousser, mais bon, une fois qu'il nous a vus, il reste autour, quoi. Venez, on va aller dans le bâtiment qui est là. Bon, alors, si on peut appeler ça un bâtiment, c'est plus une ruine, en vrai. Ça s'allume un peu, ça y est. Ah, il y a une page. Voilà, prends la lanterne qui est au-dessus. Et il y a des fioles vides. J'en prends une troisième. Fioles vides. Ouais, vas-y, pas parfait. Du tout, je sers à rien. Il y a une page qui est là. J'ai rempli ma fiole. Hein. Et là, mon pauvre Udi, je pense qu'il y a toujours de l'huile, mais j'ai pas de lanterne. Bouge pas. Parce qu'il y en a une suspendue au-dessus, mais non, je pense que je peux pas la prendre. Ouais. C'est de la lanterne, du coup. Ah oui, d'accord. Rien du tout. Bon, cela dit, s'il revient pas tout de suite, on continue. Et puis on va finir par trouver sur un endroit où. Yep. Oui, puis c'est pas mal, ça avance quand même. Oui. Alors, est-ce que vous êtes déjà loin? Attendez, moi, j'arrive. Ah, mais c'est. Je prie. Je suivais Damned. Je croyais que j'étais en train de suivre le signe. Tout va bien. Ok, on est parti. Il fout la pression quand même à l'assassin. Ouais, un peu, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est ça qui manque un peu, c'est que tu vois, une fois qu'il nous a trouvé, bon là on a réussi à le chasser étrangement, mais. S'il reste auprès de nous à vie, bon bah au bout d'un moment on a plus d'huile et il nous chope, quoi. C'est pas. Peut-être dès qu'on reste immobile dans un bâtiment après, il nous trouve plus aussi, c'est peut-être ça. Ouais, mais je pense que c'est ça en fait, il faut pas faire de bruit à ce moment-là, il faut le repousser, s'isoler et attendre, je pense, c'est un truc dans ce genre, mais. Bon après, s'il y en a deux comme tout à l'heure, c'est chaud. Par contre, ce qui est dommage, enfin, oui et non, c'est dommage, en même temps c'est pas dommage, c'est qu'il fait énormément de bruit quand il arrive sur toi. Oui, c'est vrai, oui. Il fait un peu de bruit. Donc, oui. C'est dommage, ça... parce que c'est un assassin, donc bon, c'est un peu con. Après, on l'appelle comme ça, mais... Oui. Il y a un totem là en face. Je pense que c'est l'espèce... Ah, ouais, effectivement. C'est dommage parce que bon, tu le repères de loin, et c'est pas dommage parce que dans un sens, tu te fais pas one shot dans le dos comme un gland. Ah, c'est un peu ça. C'est ouais. Un peu ça. Comme ouais. Il se déplace vite et que c'est le one shot, ce serait très punitif sinon. Ouais. Bah, c'est pour ça. Bah, surtout s'il y en a deux comme tout à l'heure, quoi. Non, derrière moi, il y a Akkad, Amine. Tout va bien. Et il a croyé que c'était l'assassin. Peut-être. Une page. Non, il a fait beau derrière toi. Un truc à rien, on s'en fout. De toujours pas de. Et je vide deux fioles déjà. Et allez-y, videz-en une troisième dedans. Hop, j'ai mis la mienne. Moi, elles sont vides. Ah, ça fait apparaître un truc là. Du coup. Ouais, j'ai vu, ouais. Une petite. Effigie. Ah, si, il y a une lanterne là-bas. Ah, Takers. Attends, Takers. Faut lui faire la lanterne sur la gueule. Voilà, c'est bon. Ok, je suis non longer cursed. Il doit y avoir un truc dans la maison là-bas. Il y a un truc au-dessus là. C'est l'assassin, je crois. Il arrive. Ouais. J'ai toujours une lanterne par terre, mais je la vois plus. Il est là. Ouah, le con. Oh!
Par toi. C'est bon, il est parti. Ah ouais, c'est quoi cette grosse saloperie en face là? Je sais pas. C'est toi qui l'attire, Akat? Oui. Bah rip. Il était sur moi. Bah on se casse, et vite. Bah je suis désolé pour toi. Je suis dans une maison. Il y a l'assassin, mais je suis pas sûr d'avoir assez d'huile. Hein. J'ai okay. Elle est sur nous! Elle est sur nous! Putain, ils sont tous sur nous! Quoi? Essayez d'aller à la maison! Essayez d'aller à la maison! Eh merde. Oui, venez à la maison. Je pensais mais être caché. Tu pensais être caché? Ouais. Il y a une aïe! Aïe! J'ai pris une gifle! Aïe! La maison! Vite! T'inquiète pas, mon petit Damned. Ah non! Je me suis fait abattre. Votre corps est mort. Trouvez un nouveau corps. Ready Chaussy, t'es mort? Oui. Tu enlèves le son, Amine. Bah écoute, je le comprends. Coucou à toi, du coup. C'est peut-être parce qu'on gueule un peu trop aussi. Hein, mais c'est marrant, du coup, parce qu'ils poursuivaient Damned. Du coup, ils m'ont doublé en me faisant rien. Et sauf que comme t'es rentré dans la maison, ils se sont arrêtés, ils se sont retournés, ils m'ont défoncé le cul, quoi. Ah ouais, bah désolé, hein. Par contre, c'est vrai qu'on a oublié, effectivement, qu'ils nous entendaient au micro aussi, ouais. Bah... Ah, mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, quand on parle, on braille. Ils nous entendent, oui, exact. C'est vrai qu'on peut pas le désactiver, en fait. Et l'autre, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'il s'éloigne pas, là, il est devant la maison, il reste là. Après, il y aurait une solution, hein, dans Windows, on interdit le jeu... d'accéder au micro. Ouais. Bon, je crois qu'on l'a dans l'os là. Hein. Il reste plus que toi en vie, Damned. Non, on est deux. Ah, vous êtes donc, deux encore. Ouais, je suis là. Une tête chacun. Le seul gros problème, c'est que je pense qu'il faut qu'on arrête de parler parce que. Alors. Bah, du coup, c'est simple, je suis mort sur l'espèce d'hôtel où on avait les pages tout à l'heure. Et moi, je suis juste devant la maison. Juste devant la maison. Bah là où Damned s'est réfugié, mais il y a aussi des saloperies donc. Il y a l'assassin. Dégage. En dedans. Moment où je fais mon. Attention, juste à côté de toi, il y a aussi le gros truc à tentacules. Je t'ai vu éclairer l'assassin là. En vrai, je vais essayer de l'éclairer. Hein. Juste à gauche en sortant de la maison. Non mais faut l'éclairer en fait pour le faire dégager. Allez. Dégage. Je suis juste à votre gauche là. Ah comme gauche. Gueule. Comment il a un... Il a un... rien à foutre le gros truc. Ah si, ça y est. Ah. Je suis juste derrière vous. Juste derrière. Enfin, juste à votre gauche, du coup. Juste à votre gauche. Oh, et ça suffit, là? Ouais, c'est un petit peu déséquilibré, je pense. Voilà, il m'attaque. Non, il s'en va. Je sais pas. Je crois qu'il s'est barré. T'as récupéré la tête du cygne ou pas? Non, je l'ai pas vu. Il est toujours là, attention. Hein. Du coup, je regarde il court à côté de moi. Il y a des safe zones dans le jeu en fait. Il y a un... Ils sont marqués par un hôtel, du coup. Bah, c'est ça, mais. Un cultiste staff. Putain, j'ai plus d'huile. C'est un peu les totems de The Forest. Ah. J'ai plus c'est d'huile. C'est bon, il se barre. C'est bon, il s'est barré. Ok, mais j'ai plus d'huile quand même. Hein. Et je sais pas où est la tête du cygne. Je suis juste j'en à gauche de la plus. Maison. À votre gauche là. Là, il y a quelqu'un qui marche vers moi, je crois que c'est toi, Damned. Derrière les fougères. Juste là. Juste en face de toi, Damned. Non, à ta droite. Là, ah, ça y est. Vous m'avez. J'ai. Ouh. Et j'ai le bouquin, du coup. J'ai plein de pages. Ouais, je vois rien. Putain, il y a l'assassin. Ah, oh, il y a l'assassin. Aïe. Rentre dans la maison. Rentre dans la maison. Pété... Ok, il m'a pété ma lanterne, c'est bien lui qui pète les lanternes. Bah, ça tombe bien, il y en a une là. J'en ai vu une dans la maison. La personne qui me tenait est passée à côté d'une lanterne. Si c'est les deux qui sont sur la table, je peux pas les ramasser. Hein. Là, non, là. Ici. Là. Je montre, je la regarde. Regarde ma tête, je la regarde. Ouais, c'est bon. Alors, attends, prends le livre, je vais te donner les pages. Ouais. Comment tu peux alors que t'as une main avec... C'est pas grave. Parce que c'est la main qui me tient pas, c'est l'autre main. Ouais, ça va. Coucou le cygne. J'avais tout de même 3 pages. Mais non, mais en vrai, attends, c'est je... Pas mal. Est-ce que je peux ranger la tête du cygne dans mon slip? C'est ça non. La question. Non, tu ne ranges pas ma tête dans ton slip. Je ne veux pas être savoir que... où je suis. C'est déjà bien assez de m'avoir comme ça à la main. Alors, on peut faire tellement de choses avec une tête. Par contre, on a plus d'huile. Bah oui, c'est bien le problème.
Alors attends, paramètre de confidentialité. Il y a pas un étage peut-être avec de l'huile quelque part? Non, c'est juste un seul étage à la maison. Donc je pense que c'est RIP. Là, c'est, j'ai pas grand chose en huile. Bah après, en vrai, je pense que l'assassin, tant que t'agites ta lanterne vers toi, il t'attaque pas quoi, même si t'as pas ce qu'il faut. Il y a une hache là, sur le petit. Oui, mais on peut pas la prendre. Dommage. C'est dommage. Puis de toute façon, j'ai une tête, alors. Ah, mais si, j'attache ta tête à la hache, je peux taper les mobs avec ta tête. Tu me la donnes et je la tiens entre les dents. C'est ça. Et puis alors on voit non, tellement mais... sombre en plus. Tu vois, là c'est mort, tellement là. RIP, c'est RIP parce que là on peut rien faire. Il est dehors là ? Ouais, ils sont dehors. Ils tournent autour de la maison. Faudrait qu'on se taise en même temps mais... Ouais, vous m'entendez ? Ouais. Ok, je crois que Hérésis n'a plus le droit d'utiliser mon micro. Donc c'est normalement on a au moins ça. Donc là je peux parler, je sais que j'attire personne si je parle. Oui, non, mais ça, c'est de la triche. Oui, bah, et oh. Ouais, bah, après, c'est vrai qu'en stream, c'est un peu dommage de pas parler, quoi. Mais bon. Bordel. Ouais, le problème, c'est qu'on est obligé de parler plus que de donner raison, en fait. Voilà, il est juste là. Voilà, en fait, on est bloqué. Bah, ouais. Parce qu'on a pas d'huile. Ah, moi, j'en ai encore un petit peu, mais... Non, j'en ai plus. Moi, j'en ai un tout petit peu, quoi. Je vais remettre le son pour voir si je t'entends, Damnen. Normalement, dans le jeu, tu devrais pas m'entendre. Hein. Je t'entends pas. Bah oui, c'est normal. Est-ce que j'entends un cas si tu parles ? Hein, quoi ? Non, je ne suis pas là. Est-ce que tu m'entends ? Je t'entends pas non plus, donc... Ah, pourtant, j'ai ma tête, ma bouche est juste à côté de ton oreille, techniquement. Mais après, c'est peut-être quand je suis mort, je peux pas participer au chat vocal, quoi. Ah, peut-être. Ah, ce serait pas con, ça. Ah, j'ai mon jeu qui a crashé. Ah, merde. Ah. Bon, bah, c'est... Je pense qu'il a pas aimé que je lui dise non au micro. Possible, pourtant, tu es toujours là, avec un truc vert dégueulasse dans les mains. J'avoue, qu'est-ce que t'as dans les mains ? Ouais, je vais voir si je peux vous rejoindre, mais... Ah, t'avais pris une relique, peut-être, un truc du style ? Ah. J'avais commencé à prendre un truc, ouais. Ah cool, bah, moi vrai. J'ai le livre. Si ça se trouve, ça devait faire un bruit, un truc du style, et ça a planté. Je vais voir, hein, si du coup, la relique vole en l'air. C'est super mais classe. Je ne peux pas la porter. Non, bah, je pense qu'elle a bugué, la relique, là. Et je pense que c'est baisé aussi pour moi. Ah, donc là je vais être tout seul, c'est ça ? Alors attends, je peux voir si je peux peut-être t'inviter ? Ah non, j'ai pas de menu d'invitation. Non, et puis moi j'ai pas de menu rejoindre non plus. Bon bah bon, après, je crois que c'est le RIP. Hein. À moins que quelqu'un tu te sentes de finir le jeu tout seul avec ma tête. avec vas-y, ma tête. Bah attends, ça se tente, hein. Vas-y, hein. Moi je regarde sur le stream là. Coucou Akat, je te regarde. Oh, comme tube. Non, bah, je pense que c'est mort là. Mais non, regarde. Regarde, Akat tente une sortie. Attention. Est-ce que. Ah, bah oui, on voit rien, je suis mort, ouais. Regarde, je vais tout droit. Hein. Je peux regarder Akat là. Ah, ouais, la vieille vue du cygne en noir et blanc. Ah, ouais, c'est. Oh, bordel. C'est horrible. Ah, bah non. Eh ben non, la corde cultiste a perdu face au de l'Overlord. Ah, voilà. Alors, je l'ai, il m'a one shot, et voilà. Je suis décédé. Eh ben c'est Fanae. Fanae. J'aurais pas dû tenter la sortie, j'aurais dû rester et mourir dans la maison. Alors pour info, parce que j'avais mis qu'on était en live... Et sur le Discord officiel, et le développeur qui a regardé, il a dit sous la maison il y avait un cellier. Genre, il aurait fallu aller voir. Et après, il met un gif d'un truc affreux. Ah bah, ça doit être ça le cellier. Mais le cellier, quand on essayait d'y aller, ça gueulait en mode panique. Ah ouais, ça donnait pas envie quoi. Il y avait des grosses tentacules partout quoi. Alors là, je suis avec Reddish, c'est ça? Et le signe, je ne sais pas où il est. Bah écoute, si. Moi je suis là. Ah, ou alors attends. Moi j'étais avec Reddish, mais ça se trouve j'étais avec toi. Mais non, t'avais pas de médecin de peste. Bah si, c'est moi le médecin de peste. Oui, mais t'avais pas un masque justement de médecin de peste. Alors du coup, est-ce qu'on a récupéré des petits trucs ? Damnen nous a rejoint. Là, t'es en train de regarder des cartes là. T'inquiète. Ouais.
Ouais, donc c'est bien toi, t'as plus le médecin, plus le masque de médecin de peste. Bah bon. Mais non. T'as une tête dégueulasse toute rouge. Ouais, bah ça a dû nous mettre des personnages au pif, je sais pas. Ah non, mais là on dirait que t'as plus qu'un crâne à la place de la tête. Bah c'est possible, j'ai été tué, écoute. Et est-ce que moi il me reste qu'un crâne aussi? Non, non, toi t'as un joli masque tout doré. On voit même tes yeux cligner à l'intérieur, c'est sympa, c'est bien fait. Et toi c'est tout rouge. C'est toi Reddish ça? Ouais. Ah, ok. Alors du coup, est-ce que les autres me voient en mode scalpé aussi? Bon, je pense que ça va mettre fin à notre découverte, hein. Enfin, sauf lui tenter. Oui, oui, bah ce qu'on peut faire, c'est à la limite mettre fin à la découverte et refaire une tentative juste comme ça en live, et puis à la limite tu l'enregistres. Et si on réussit, on la publiera. Si on réussit pas, bah voilà, on aura refait une deuxième. Moi par contre, je vais vous abandonner. Et bah fait, on va tenter à 3, c'est pas grave, ça se fait. Hein. Mais c'est... Mais je pense que je vais devoir y aller aussi, moi, parce que j'avoue, je commence à avoir un petit peu faim là. Ah, mais, bah d'accord. Il y a du potentiel. Depuis 11h, donc. Oui, c'est vrai que t'en as fait pas mal, toi. Du coup, on va mettre fin déjà à la VOD, après on verra pour papoter. Ah, d'ailleurs, quelqu'un a lancé. Fantastique. J'ai Alt F4. Se retrouver tout seul. Bon, en tout cas, j'espère que cette première découverte vous a plu. Hein. Comme vous disiez, le jeu est jeune, mais il y a quand même du bon potentiel. Hein. Puis, mine de rien, même jeune, on l'a pas réussi. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire si vous avez envie d'en voir plus éventuellement. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Salut. Bisous. Salut.